La danse? Ah bah la danse, oui, évidemment, ça c'est. Je dirais que ça vient tout. C'est la raison des fois d'être de la musique. C'est-à-dire que des fois, c'est excitant s'il y a quelqu'un qui danse bien, de jouer pour. Et si dans le public on sent que ça balance, automatiquement ça supporte. Ah bah oui, bien sûr, oui. Tout ça sont que des ondes. Alors quand le public. Parce que des fois, nous aussi, on est des fois un petit peu derrière notre instrument, comme ça, un peu. Mais il y a des jours où, bon, on se laisse aller plus, et puis on arrive à faire que les gens aussi. À ce moment-là, les gens voient des ondes encore. Alors ça, oui, c'est ça, ça monte. Il faudrait qu'il y ait plus de spectateurs, quoi, en fait, que tout le monde soit acteur d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, ça, c'est. Jazz de Paris a commandé à certains de nos meilleurs musiciens, Marciane Solal, Antoine Hervé, François Janot, Patrice Caratini, Bernard Lubaz, Zul Fleischer et l'an passé Claude Barthélémy, des œuvres originales qui ont été jouées ici en première audition. Eddy Louis est ce soir leur successeur. Le voici donc avec son multicolore Feeling Orchestra et pour le final avec une fanfare de 53 musiciens. Eddy Louis. Thank you.
François Couturier au fauteuil. Richard Galliano à l'accordéon. Xavier Combeau au saxophone. Dominique Tuffarelli au violon. Mokhtar Samba à la batterie. Et voici le nom de la fanfare. Non, c'est trop compliqué là. Alors je vous présente Daniel Huth, qui est en fait le représentant. Voilà. Merci.